Tout est super génial. Tout est cool quand tu joues dans la même équipe. Tout est super génial. C'est un rêve magique. Coucou les loulous. Coucou. Alors aujourd'hui, nous allons faire une vidéo spéciale pour l'Okashi Box de juin 2016. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une Okashi Box ? Une box japonaise. Oui, c'est une boîte où à l'intérieur, on a plein de friandises et plein de choses qui sont japonaises, chinoises, enfin qui sont asiatiques. Pas des choses qui sont d'un autre pays, pas qui sont de France. Voilà, c'est ça. Donc, est-ce qu'on l'ouvre cette Okashi Box ? Oui. Oui ? Alors, tenez ! Ouais. Oh, mais qu'est-ce qu'elle a trouvé, Océane ? Ah ! Ah, à mon avis, ça, c'est à l'eau gazeuse. Oh là là, regardez-moi tous ces produits ! Allez, ah, on sort tout de la boîte, on sort tout ! Ah, des bonbons! Bah oui, regardez ce que j'ai trouvé. Bonbons! C'est quoi cette espèce de truc? On va goûter les bonbons aussi. Il y en a encore ou pas? Bon, bah ça on devrait connaître. Ça on devrait connaître? Ah oui. Ah oui, ça on connaît. Ça aussi! Ça aussi? Ça. Je connais pas. Non, ça c'est japonais, c'est en japonais. Ça c'est mou! Ah! Ah non, oui. D'accord. Une surprise alors. Et ça c'est que le plastique! Et ça, c'est que le plastique. Ben voilà, elle est vide, cette box. Ah ouais. Alors, on va goûter ça? Oui. Alors, on va commencer par Océane. Tu veux ouvrir quoi? Ça. Alors, ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, ça. N'empêche que leurs emballages, ils sont vachement jolis, hein? Oui. Alors, ça, c'est du 1, 2, 3 gomme. Alors, c'est un paquet de 3 délicieux chewing-gum en forme de cube. Alors on va voir à quoi est-ce que ça peut être comme goût. Alors voilà, ça ressemble à ça. Donc c'est des petits chewing-gums comme ça. C'est bon? Vous l'avalez ou pas l'avaler? Bah non, c'est un chewing-gum, on l'avale pas. Alors est-ce que c'est bon? Ouais. Non, j'aime bien. Ouais. C'est quel goût? Pomme. Mais t'as la pomme, il est super bon. C'est un super goût de pomme, moi j'adore. Par contre, c'est un peu dur. C'est bon. Quand même bon. Ouais. Il est vraiment bon. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on goûte, Corentin? Ça. Ça? Oh, mais qu'est-ce que ça peut être, ça? Alors ça, c'est... Oula, oula. À mon avis, ça doit piquer ou je sais pas. C'est des Monster Stomp. Alors, c'est joli en tout cas. Alors ça c'est quoi? Alors je vais lire sur la feuille parce qu'on a une petite feuille avec qui nous dit en détail tout ce que c'est parce que bien sûr on ne sait pas lire le japonais. Alors, Monster Stamp. Alors deux en un, ce sont des petits tampons dont l'encre a été remplacée par un bonbon goût ramune. Alors c'est une limonade japonaise. Alors il y a 4 tampons. Vous pouvez utiliser comme de vrais tampons après. Oh, c'est rigolo ça. Alors? Oui, ah ouais. Alors voilà. Donc, en fait, l'encre a été remplacée par un bonbon. Ouais. C'est rigolo. Alors. Et après, à la fin, tu peux l'utiliser parce que après, ça fait un vrai. Oh non. Mais j'ai pas encore là. Bon, voir ça. Alors, je sais pas comment ça se mange. Pas du tout. Mais non. Un tour. Corentin, voilà, c'est un petit fantôme. Voilà, tiens. Et pour maman. Alors moi, c'est une petite. Mais pourquoi ça se croque? C'est une petite sorcière. On voit pas très bien, mais c'est un petit tampon. Alors. Oh ah oui, regardez. Hop. Et voilà. Un tampon. Ah, c'est un truc qui se cache sur les mains. Je vais faire ça à la table. Oh bah non. T'inquiète. À mon avis, ça, on peut le faire sur une feuille de papier. Je vais essayer. Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai une petite feuille de papier.
Donc on va essayer. Donc voilà, une feuille de papier et là. Ah, ça marche pas très très bien. On va voir ce truc. Ah voilà, un tambour. Attends, fais-moi voir ça. Oh. Bon, moi je préfère le manger que tambourner la feuille. Tu veux essayer? Moi je vais ouvrir ça. Ouais, c'est bien. Tu fais ça? Après, moi je trouve que ça ressemble beaucoup au collier. Tu sais, Corentin, tu sais les colliers au sel? Tu sais les colliers là qu'on a en bonbon? On est brassés. On est brassés. Ouais, mais c'est vrai que c'est. Je revois. C'est vrai que c'est bien acidulé, ouais. C'est super bon. Comment le mien? T'aimes bien? On a un. T'aimes bien toi? Ouais. Ouais. Alors maintenant, qu'est-ce que tu veux goûter au sel? Non, mentos. Alors. Oh, c'est acide à l'intérieur. Ouais, c'est acide à l'intérieur. Hein. Ouais. Roseanne veut goûter une célèbre marque, donc Mentos. Nous, on en a en France. Mais apparemment, ce ne sont pas les mêmes. Parce qu'apparemment, ce sont des Mentos, coconut, pineapple. Alors, ça veut dire ananas, noix de coco. On va les goûter ? Oui, oui. On n'en a pas chez nous des noix de coco. Non, on n'en a pas les Mentos, noix de coco, ananas, non. Alors voilà, il n'y a rien d'exceptionnel, hein, ce sont des Mentos. Mentos. Ouais. Voilà. Hop. Pas des Mentos, un pour toi, un pour toi, et un pour maman. Non. 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 Rosanne n'aime pas du tout. Alors moi je trouve que ça a plus au goût de l'ananas. Ça. Moi aussi. Que de la noix de coco. Ouais. Bon, alors Corentin, qu'est-ce que tu choisis maintenant pour la suite? Ça. Ça? Alors ça. Ouh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors ça. Oh, c'est rigolo. Il y a un petit cure-dent là. Sympa. Il y a un verre. Oh. Apparemment, on dirait des glaçons. Je sais pas. Je vais lire ce que c'est parce que alors là, je connais pas du tout. Alors là, nous, on n'a pas ça du tout en France. Alors, moi, alors c'est du mochiamé au soda. Découvrez le mochiamé. Ce sont des bonbons japonais à base de riz gluant et de sirop de fécule. Ici au goût soda, limonade japonaise. À piquer. Alors apparemment c'est à piquer. Ah, vous voulez goûter? Oui. Alors ça se présente. Ouh, c'est super joli. C'est dur ou c'est mou? Et bah apparemment c'est gluant. C'est assez bizarre, c'est assez bizarre. Je vais pas toucher. Voilà. Non. Non, c'est pas bien, c'est dur. C'est dur? Ouais. Alors on va en prendre un, hein. Ça ouais. A piqué. Bon, c'est Anne, elle y va avec les doigts. Ouais, je vais piquer. Tu veux piquer? Tiens. Alors un petit cure-dent. Quand on le pique. Ah, oh, c'est bizarre. C'est mou. C'est mou. Tu veux voir? Ah, moi, je goûte. Et alors, voilà comment ça se présente. Bon, je pense. Bon. Oh. C'est bon. Ah, un peu ça a pas un goût chimique, quand même. Hein. J'en prends. On prend un. Ouais, tu prends un autre. Moi aussi. Moi, je prends un piquet. Hein. Regardez. Ouais, c'est pas très, très sucré. Regardez. Bon. Ah ouais, c'est rien. Alors, c'est pas très, très sucré. C'est bon. Mais bon, je suis pas fan. T'en reviens? J'adore ça. Après, il y a le reste à goûter. Hein. Allez. Maintenant, Océane, qu'est-ce que tu vas choisir d'autre après? J'en étais sûre. On va essayer ça. Alors ça, c'est rigolo. Océane, elle a flashé dessus tout de suite. Alors, c'est rigolo. C'est... Une balle de baseball. Une balle de baseball. Elle est un peu grande, petite, pas une balle de baseball. Ouais. Alors ça c'est quoi? Alors, ça c'est du sumono ball. Alors les sumono ball sont des petits bonbons sous forme de gelée, ici au goût de prune japonaise. Laissez-vous séduire par cette texture. Ça, donc on va le partager. Ça c'est dur. Oula, c'est très dur. C'est très dur à ouvrir. Donc voilà. Oh, oh! C'est gluant? Ah oui, un peu que c'est gluant. Maman, t'as pas touché.
Oh, touche. Waouh. Waouh. Alors, si tu... Je peux manger tout. C'est assez bizarre. Je crois que je vais aller chercher une cuillère. Pour continuer la dégustation. À tout de suite. Et là, voilà, j'ai la cuillère. Oh. Beau. C'est bien. Alors, tu veux goûter le premier? Moi. Ah, bon, bah Océane a quelque chose dans la bouche, donc ce sera Corentin. C'est bon. Ah, Océane? Alors, Océane. Non, c'est bon. C'est bon? Ça a beaucoup de complications. On dirait un peu de la gelée, vous savez, qui mange en Angleterre. Alors, moi, j'en goûtais un petit peu. Mais ça m'inspire pas trop. Hein. Donc, voilà, moi, je goûte aussi. C'est bon. C'est bon. Ouais. Mais c'est moi les par contre. Non, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est tout. Très. C'est pas sucré trop. Ouais. Tiens, tiens, un peu. Océane, tu veux finir? Ouais. Tiens. C'est pas trop sucré. C'est pas trop trop sucré. C'est pas trop trop sucré. Ouais. Ça a plus le goût de l'eau, moi je trouve. C'est bon. C'est pas. Ouais. Ah bah. Mais bon. La base. Je préfère les autres trucs. Bah. Oh. Alors après, où est Corentin? Ça. Ça? Voilà. Après moi, je vais commencer ça après. Je vais goûter ça après. Alors voici. Alors, c'est facile ça, à ouvrir ça. Apparemment, c'est au... Je sais pas, c'est des boules dedans. C'est des boules, ouais, c'est ça. J'ai les boules. J'ai envie de goûter. Qui s'appelle des... Sonomana, raisin ou pêche ou cola ou soda. Donc, cola. Donc à mon avis, ce sont aux raisins celles-là. Cola, c'est du violettes. Coca. J'ai envie de goûter au coca. Non, mais non, ce sera aux raisins celles-là. Oh. Elles existent en 4 parfums différents. Mm. Alors, ce sont 3 petites boules. L'une est super acide, mais laquelle? À vous de déguster. Ouh là là. Apparemment, il y en a une qui est super acide. Donc, il y en a une qui est super acide, je la veux. J'espère que je tomberai pas dessus, bah, j'aime pas trop moi. Et voilà. C'est dans les tabouliers. Donc voilà. 3 petites boules. Donc servez-vous. J'aime bien celle-là, la plus grosse. Bon, elles sont toutes de la même taille. Ouais. Alors, à maman. Voilà. Donc c'est. Parce que j'ai la acide. Maman. Oh. Un pas acide. C'est maman qui a l'acide. Oh. Oh! Oh! Ah, c'est bon aussi? Ah! Toi aussi? Toi aussi! Il nous a menti alors. Alors. Je sais pas si c'est un chewing-gum. On pense que c'est un chewing-gum, non? Ah, moi, je crois que tu tomberas super acide. Moi qui aime pas trop ça. Mais alors. Oh là là. Oh, ta langue. Attends, fais-moi une photo là. Quelque chose comme ça. Elle est toute violette, ta langue. Merci. Moi non. Si. Ah, si, je suis pas mauvaise. Alors, Océane, qu'est-ce que tu goûtais après? Fais voir. C'est moi, bien sûr. Alors, Océane veut goûter ça après. C'est des cigales. Donc ça, ce sont des Mickey Chewy Candy. Alors, ce sont des petits bonbons à sucer au délicieux goût de lait. Fabriqués avec du lait concentré sucré. Ce qui rend crémeux et terriblement savoureux. Pecco Chan est la mascotte. Alors, bah, prends-en un loulou. On goûte? Je sais déjà en ouvrir. Et là, voilà, donc ah, ça. Elle plus. Comment? Faut les sucer. Plus. Oula, mais ça colle, ça colle, ça colle. Donc voilà, ça colle. Et là. Elle est pas croquée. C'est un peu dur, hein. Ouais. D'abord, j'aime pas trop. Il faut la valer. Faut croquer. Ah non, je veux pas du paquet, hein. Oh non, je n'aime pas. Oh, moi, j'adore. J'adore toi. Ah non. Oh mais c'est dur à mâcher, ça colle partout. T'aimes bien toi?
Moi, j'aime pas trop. Moi. C'est là que j'aime le moins, tu vois, ça me... Ça m'écœure un petit peu. Bon, ça m'aime bien, ma foi. Après, comment t'as, tu veux goûter quoi, toi? Ça. Ça, c'est au début, Donc, on prendra la fin, ouais. Alors... C'est quoi, j'adore cigale. Ça? Ah. Ouh, c'est... Alors ça, c'est long, ça m'a l'air mou. Alors ça, c'est un carillicho raisin soda ou soda. D'accord. Ce bonbon japonais en forme de corde contient au cœur un cœur soda rafraîchissant entouré d'une couche douce et moelleuse de raisin ou de soda selon votre version. Donc nous, apparemment, je pense que c'est... que soda, parce qu'il y a un petit bonhomme forme de soda sur le côté. Donc on va l'ouvrir tout de suite. Et là, tada ! C'est un long bâton. Tout bon, c'est tout bon. Donc là, on va couper. Alors tu sais, on gêne un morceau pour moi et un morceau pour maman. Et voilà. Puis là, on va laisser un morceau pour papa aussi quand même. Parce que papa est là. Alors. Attends, moi je prends ça. Et pour moi. Ah voilà, on va goûter. Ça a beaucoup de coca. Ça a pas goût de coca. Ah si. Ouais. On dirait du coca. Ouais. Pas du Coca-Cola. Hein. La sous-marque. Hein. Du bonbon coca. Non. En plus, au goût du mystère. Moi j'aime pas trop. Ah, moi je trouve ça pas mauvais. Le bon, par contre, ça fond super vite dans la bouche. Par contre, le rafraîchissant... Regardez. J'ai pas trouvé du tout le goût rafraîchissant dans le truc. Regardez. T'as trouvé toi que c'était rafraîchissant? N'importe quoi. Est-ce que t'as trouvé que c'était rafraîchissant toi? Pas du tout. Mais je trouvais comme un bonbon normal. Voilà. Sauf qu'il y a le goût de mystère surprise au coca. À toi, Océane. Alors, Océane, alors, qu'est-ce que c'est ça ou ça? Je sais pas. Ça ou ça? T'aimes pas? Ça, je vais l'ouvrir toute seule. Ça, tu vas l'ouvrir toute seule? Oh là là! Et nous alors? Alors, ça se présente comme ça. Voilà, il y a plein de petits trucs verts. Alors, ça s'appelle des. Des quattro, je ne sais quoi. Alors, des quattro chocolat matcha. Alors, les quattro. Matcha contient 4 couches au sommet chocolat blanc infusé au matcha Uji. Une couche de chocolat semi-amer, une garniture de ganache au matcha et une base de biscuits infusés au matcha Uji. À mon avis, ça va être space. Hein. T'aimes pas? Alors voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est chocolat blobo. C'est un petit gâteau. Ah, voilà. Je peux faire un bof. Ah, ça va ouvrir. Alors, je goûte. Hein. Alors, je suis goûtée. Oh. T'aimes pas? Est-ce que c'est bon? Goûte. Ça sent bon déjà. Ouais. Non, mais j'aime pas. Oh. T'aimes pas, moi? Enfin, c'est surprenant. C'est bon. T'aimes pas, moi? Non, j'aime pas du tout. On a vraiment le goût. Chocolat. Le chocolat à la limite. Mais en plus, on n'aime pas ça tous les deux. Moi, choisir, est-ce que je choisis, c'est ça. J'ai pas eu le choix. Alors, ça, c'est des. Et ma. Bon, par contre, le paquet, il est super joli. Ou Ima. Enfin, c'est quoi? Ima Colorful. Alors, ces petits bonbons à sucer, ici au goût de différents fruits, participent à votre santé enrichie en vitamine C et xylitol. Ils sont très bons pour la gorge. Oh, c'est des bonbons pour la gorge. Oh, ils sont plus jolis que la vosgienne. Hein. Alors, comment ça sent ce truc hein? Voilà. Je l'avais trouvé avant. Ça gagne. Hop, et voilà, c'est fait. Alors, on va voir comment ça. Hop. Regardez, c'est rigolo. Oh, c'est comme les petits paquets qu'on achète, menthe et tout là. C'est un rose?
Qui va rose? Hop. Il est bien sûr. C'est un vert. Un jaune. Moi, jaune. Jaune. Moi, je prends un signe. Un vert. Moi, je prends un signe peut-être. Eh ben, je trouve que pour des bonbons pour la gorge, on va pas vomir. C'est acide. Hein? C'est jaune, mais plus acide. Acide. Ouais. Ah, franchement, c'est pas mauvais, par contre, ça arrache un petit peu. Oh, il a fait la tête. Hein? C'est bizarre. Ça fait frais dans la bouche. Alors, on goûte un jaune, comme on va voir. Ouais. Ah, c'est dur, hein. C'est bien. Ça pique le rose. Le rose, il pique encore plus. Le rose? Ça pique le rose? Oh, moi, je ne trouve pas que ça pique. Oh bon. Bon, c'est un sacré goût de chimique. Hein. Je sais pas comment ils ont inventé ça. Je sais pas comment ils ont inventé ça. Non, mais c'est pas mauvais. Moi, j'aime bien. Moi, ça, franchement, j'aime bien. J'aime bien. C'est bien. Et ensuite, pour finir, on des chewing-gums. Des chewing-gums. Alors, c'est au... Cerise. Alors ça... Alors ça, apparemment, ce sont des aïchoui à la cerise. Si vous aimez les bonbons à la cerise, découvrez vite ce nouveau parfum de aïchoui. Aromatisé au vrai jus de cerise extra tendre, ils raviront votre palais. C'est quoi raviront? Ça veut dire quoi raviront? Que ton palais va être ravi. Tiens. Merci. Merci. Ah oh, bah tu as pris. Et je vais mettre en bouche. Alors. Oh, il y a du rose au milieu. Il y a du rose au milieu. Alors, il y a un nouveau. Apparemment, il y a du jus de cerise au milieu. Ah. Du vrai jus de cerise. Ah ouais, je sens au milieu, ouais. Et là, voilà, donc ça se présente comme ça. Et au milieu, on peut voir que c'est tout blanc. Et au milieu, c'est rose. Donc, je vais goûter tout de suite. Ça ressemble au bonbon de pimousse. C'est pas mal. Ah, moi, j'aime bien. Ça, c'est super bon. Par contre, il y a pas, enfin, c'est à le goût du jus de cerise, mais on sent pas. Moi, je pensais avoir le liquide de la cerise. Ouais, je pensais ça. Bon voilà, est-ce que ça vous a plu celui-là? Ah oui. Oui. Bon voilà, ça y est, on a fini cette dégustation de cette box Okashi Box, et on espère que cette vidéo vous a plu. Oui. En attendant, n'oubliez pas de nous mettre un petit commentaire. Un pouce vers le haut aussi. Et surtout, abonnez-vous. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao. Toujours numéro 1, tout est super génial. Oh, trop bien, j'adore cette chanson. Tout est super génial. Tout est cool quand tu joues dans la même équipe. Tout est super génial. C'est un rêve magique. N'oubliez pas votre kiné.